Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans une nouvelle édition d'EKAE. Avec moi, d'EKAE là, une dame du plateau central, sénatrice de la République, candidate à la dernière élection présidentielle et chef de parti politique, dans le pays de fusion des sociodémocrates haïtiens, c'est Madame Edmond Sublide-Bozil, que l'on ne présente plus. Madame Bozil, bonne nouvelle. Ma forme, oui, là. N'a pas qu'un bébé, en forme, dit en forme, en forme. Lorsque la mort du bar, ma femme, on connaît que ma maman est morte samedi, donc ça a retiré un peu dans la forme, non, mais bon, ouais. Quand même, nous avons la santé. Ça va. Napkembe, son conversation avec la femme politique que vous êtes, qui était députée, qui est sénateur, candidat à la présidence, qui a plus de 25 ans, on a dit ça, de carrière politique et d'Eli, par rapport à pays qui a marché vers. Ça, c'est un monde craint, une grosse explosion de violence. Il y a une crise économique, tout le monde sent l'indicateur est là. Il y a une analyse que Fusion fait partager avec nous, nous faisons analyse à tout, sur l'augmentation du taux de l'inflation, presque 15-16%. Dépréciation en rythme accéléré de la goutte depuis mesure ça prend sur la dédollarisation. Et en parallèle, il y a d'autres problèmes qui sont liés à la production, qui sont liés au chômage, des problèmes structurels que Jovenel Moïse, il faut être intellectuellement honnête pour le dire, hérité. Mais il se trouve que c'est le président Jovenel qui l'a aujourd'hui, qui le promet changement, et le changement, pour le moment, ne vient pas. Et un dossier Côte-Côte-Pétro-Caribéa, qui, de l'avis de plusieurs, a été mal analysé, mal géré par le président, qui fait que même quinquennal là, en danger. Avant de rentrer dans le 17 octobre, des mises à pied de M. Lalo, de M. Germain, de la main tendue par le président, de conjoncture économique, de recommandations, t'as qu'à faire, de positionnement, par exemple, au Mondaco et Vince Paul, mon vivant, où est-ce qu'on suit au prix de sa caprivé là, je tiens. Bon, moi-même, pas c'est que hasard pas existé. Je vous dis, hasard pas existé en tout. Et au sorti en 2008, songez, après 4 cyclones avec Anna, et là, nous faisons question d'état d'urgence dans le gouvernement privé avec le Parlement, nous décréter état d'urgence. Et moi, j'étais porteur de dossier ça, loi ça, que l'exécutif là, t'es demandé pour que nous supportions là-dedans. Même quand, à l'époque, moi, pas de voter Mme Pierre-Louis, mais c'est moi-même qui t'ai porté dossier ça, que ce soit dans la Chambre des députés, que dans le Sénat, moi, j'étais accompagné commission pour permettre que loi ça t'est passé. Mais immédiatement que nous finissons de décréter l'état d'urgence après 4 cyclones, moi-même, je songeais Steven Benoît dans la Chambre des députés, moi-même, dans le Sénat, je m'appelais en moi sur le côté COB, ban un rapport sur COB Petro-Caribé. Le après le vote budget en 2009, c'était la principale revendication, moi-même. Je me demandais, côté l'hébergé, montrer mon ligne budgétaire qui est financée par COB Petro-Caribé. Et je pensais que c'est. Et les gens qui voulaient scientifiquement analyser la question, ça capable de regarder sur le site ministère de l'économie et de la finance, pour nous, est-ce que 2009, nous avons une ligne budgétaire qui était dit qu'il a financé par et comme Petro-Caribé. La première bataille qui était faite pour la transparence et rentrer dans le budget république. Le premier bagage, c'est rentrer dans le budget république pour permettre que le Parlement, leur vote budget, ou baille autorisation pour comment pour dépenser l'argent. Maintenant, nous avons un mauvais départ depuis ce gouvernement privé. Je pense que c'est là, c'est comme si le fonds Petro-Caribé a vint en cours un trou, même avec FNEA, son trou côté que les gens qui ont fourré mail prennent l'argent et ouvrent. Aujourd'hui, on a parlé de fonds Petro-Caribé qui fait que monter, mais remonter en 2008 pour me dire que des autres ont commencé là. Où Mme Pierre-Louis prend le perdu du job à partir de là. Et puis, peu de temps après, on prend le temps des présidents privés sous Caraïbes qui dit que, mais qui ça me fait avec COB Petro-Caribé. Donc, c'est normal pour qu'elle dise ça et ça n'a pas personne de problème. Alors que tout le monde connaît que le président, il est mineur. Comment on ne peut pas le battre l'estomac, mais ça me fait alors qu'il a renvoyé mon premier ministre, soi-disant, sous question COB Petro-Caribé, ça, pas de rapport sous lui. Ou à des rapports, moi, songez ça. Dans le Sénat, ils ont été voyés pour moi une liste de photos
Donc, en guise de rapport détaillé pour dire, mais qui j'en, mais comme un cob m'était prêt dans le cob Petro-Caribéa, mais qui ça me finançait avec elle, il y a une bonne photo pour dire, mais qui ça a fait. C'était pour moi, pour te bêtiser comme parlement, qui gagne un pouvoir de contrôle pour permettre que, ou éclairer lanterne et population pour dire, mon cob nous prêter, n'a pas gagné pour nous remettre les quand même, mais qui ça a fait avec elle. Moi, quoi que faut nous dire vérité ça. Des bandades là, commencer là, et puis, donc, ça veut dire que ce n'est pas un hasard. Ça a continué. Mais maintenant... Et puis, quand il y a sous gouvernement Matélien, ça veut dire que Yovine, et pas des bandades encore, et puis, il dit, il rentre dans le trou noir là, et puis, il n'est pas suffit, il a créé fonds national éducation, il rentre là dans le fond. Mais sous Matélien, tout, Mme Baudil, il y a eu Conny et son rapport des contrats qui étaient passés sous Belle Rive, et à ce moment, ça, au dit ça, c'est très accablant pour M. Belrive, c'est ça, à l'époque qui était dit. Les intérêts de l'État n'ont pas été suffisamment protégés. Il y a un ensemble de contraires, c'est tout purement et tout simplement recommandé résiliation. Mais on a trouvé une façon de continuer avec ces films. Et c'est pour ça que quelques cours supérieurs des comptes, il faut être pour le bail compte. Parce que pas dans quel compte qui a passé dans l'État. Il y a plusieurs instances qui peuvent interférer là-dedans. Mais cours supérieurs des comptes, il y a pour le bail molle. D'accord? Parce que, écoute, bon, malheureusement, dans une émission simple comme ça, pour expliquer ce que les gens ont fait entre les institutions dans l'État, nous ne pouvons pas faire des détails. Mais maintenant, où gagner le Parlement en côté, où gagner le Cour supérieur des comptes, tout contrat qui doit être pour bailler 10 ans. Et puis, le pour voter le budget, si comme Petro-Caribéa dans le budget, le pour voter le budget, où gagner la loi des règlements qui doit hanter. Après exécution budgétaire. Qui c'est où bah non et y a de bah moi l'avant que m'analyser le prochain budget. Non, la loi de règlement établit les dépenses du budget pour l'année qui écoule. Maintenant nous mêmes sur exigence pour nous gagner avant nous voter l'autre. Avant voter l'autre budget. Ça veut dire que faut si et c'est dommage que le Parlement haïtien pas qu'à jouer rôle. Malheureusement, je m'étais là-dedans, je m'ai toujours dit, je m'étais toujours critique par rapport à ça. Et que pour tout travail, ça, un parlementaire vient pour le faire, et puis il n'y a pas chita, il fait séance. Maintenant, la loi sur l'état d'urgence, c'était pratiquement, pas qu'on ait non, fenêtre. Moun yo te kon utilise pour dire bon comme et ap gen problème dans contrôle ap gen moins contrôle n'ap pral plus rapide et puis nous la gen kon gen problème yes gré à gré là encore quand on regarde volume de contrat gré à gré qui a le cal financer des bagages ou qui des projets pas gen rien avec urgence on a compris qu'on a profité de ça comme un drap et aussi dit-on c'est un élément que moun yo profiter pour te faire des bagages qui pas ta correct là encore je mets un double conditionnel de prudence en attendant les procès même mettant ken point d'interrogation même quoi que c'est état d'urgence là et moi-même moi te comprendre que tu as nécessité en 2008 pour te faire et maintenant on va regarder là sous président et Jovenel imaginons que cyclone qui fait pendant l'élection dernier cyclone qui était fait pendant la campagne électorale là. Et puis peut-être Jovenel dit 2 octobre 2016 il décide il décrète état d'urgence oui 6 mois après il décrète état d'urgence alors que nous avons fait carnaval avant. Donc, vraiment moi crois que gagné ou t'as moins est-ce que m'étonné même pas étonné parce que moi dit que l'amateurisme a été au rendez-vous. Et moi, je crois que le peuple haïtien doit remplir le travail de formation civique qui pour faire que le peuple haïtien réveille réellement. Qui a été l'amateur? Jovenel Moïse, président Matéline, moi-même, je crois que quand tout président que nous avons là, politiquement, c'est... C'est des amateurs que ils tout... Ils sont en apprentissage ou amateurs? Il y a amateurs qui prennent rentrer, okay. Amateurs politiques. Préval, c'est qu'on fait politique. Préval vient au Madrid en politique, là. Mais Préval, écoute-moi. Ça veut dire que du point de vue... T'as connu. Formation de base pour gérer l'État. Tout le monde connaît qu'il n'y a pas de gain. Il vient au Madrid politique, mais il n'y a pas de gain formation de base, là. D'accord? Donc, je me dis formation de base, hein? Bon, pas besoin de faire une bonne analyse pour comprendre ça veut dire. Je me connais Twitter, je me connais sur Facebook. Donc, ceci pour me dire que, gagner une décision que nous pas prenons. Okay. Et ceci, tous les pouvoirs. Et je parle aussi pour la presse. Parce que je crois que si notre formation, et je connais qu'on a été exigé que gagner un temps d'antenne que chaque radio, chaque média baille pour permettre qu'on fasse formation civique pour le peuple, c'est pas ça?
Ou dit, oui, d'accord. Donc ça veut dire que si nous avons fait formation civique population, il t'a comprendre qui rôle parlementaire doit jouer, il t'a connaît qui rôle en président, qui rôle, il pas voter n'importe qui pour venir président, pour venir sénateur, pour venir député. Ça, à la décharge de la presse, nous le faisons. Et est-ce que c'est assez? Je ne sais pas. Maintenant, le choix des individus qui deviennent présidents. Et là, nous pensons retourner dans la période électorale là. Jovenel Moïse, qui est très peu connu du pays, bien que lui-même l'y ait et parcouru dans la Chambre de commerce, mais c'est lui-même qu'en bonne partie du secteur privé des affaires a décidé, dit bon, c'est lui notre champion et il a été pratiquement adoubé par Mantelli qui a décidé de faire de lui son dauphin. Et est-ce que la réussite de Jovenel est où son échec possible, si ça continue ainsi, pourrait être considéré comme l'échec de ceux qui l'ont choisi et la limite d'une façon de faire de la politique dans le pays? Moi entièrement, belle analyse. Hein. Je veux dire, on ne va pas quitter espace pour que je me fasse analyse. C'est une question. Non, mais ça, ce n'est pas une analyse. Je vais même que ça. C'est une analyse et pour pas même avoir une possibilité pour me dire hein, que tu as tout dit. Tu as tout dit à savoir que c'est, là, c'est une limite. C'est, parce que c'est. Moi, je crois qu'il y a une lutte depuis construction État, je ne vais pas dire État-nation. Depuis construction l'État, ça. Parce qu'il y a des gens qui disent nous pas État-nation. Donc, depuis construction l'État, on lutte pour dire et les gens qui prennent ce pouvoir. Concordil, classe affaire là, décidé. Moi-même, j'ai un homme d'affaires qui dit ça personnellement. Qui te dit, mais bon, nous pas de candidat. Et que, parce que, si on ne sait pas qu'on est, c'est nous qui décidons qui est ce qu'il y a président. Il n'a pas dit, maintenant, il écrit mon WhatsApp, il voit le bon. Oui, un homme d'affaires. Donc, le homme d'affaires dit ça, ou a fait politique, ou dans un parti politique, ou député ou sénateur, ou des compétences universitaires nécessaires, ou des compétences, ou des moralités, ou des tout ça au demandé pour être capable de candidat. Et puis, homme d'affaires, la voix, il dit comment faire candidat, puisque moi-même, si vous ne connaissez pas, nous décider qui est ce candidat. C'est pour ça que nous revenons au cycle qui doit bout. Un cycle qui doit bout pour dire que ce n'est pas normal pour dire que nous continuons dans la répétition même erreur. Nous, des gens qui décident. Ou qu'on y a là, moi, il y a un homme d'affaires qui me tendait et qui dit, moi, non, figure que nous-mêmes, bon, nous décidons là et que nous prenons mon tombail pour nous prendre un prochain gouvernement, mais nous ne pouvons pas faire pour des partis politiques du tout. Bon, mes amis, qui côté. Alors, comme si Mounsa, il sentit tellement en odeur de sainteté comme homme d'affaires qui marquait l'histoire politique pays depuis 30 ans. Et puis qu'on y a là, c'est lui-même qui est au-dessus de tout soupçon, qui a décidé, c'est moi qui vais le forger pour voir qu'il va venir, et que bah, nos partis politiques ne parlent pas du tout. Comment est-ce capable de dire mon parti politique échoué? Le qu'on pas jamais quitter un parti. Parti politique n'a pas gagné 5 copes de fonctionnement. Parti politique n'a pas gagné aucun moyen. Pas grand pile. Moi-même, je voulais dire grand pile parti politique en Haïti. Grand pile sigle. Grand pile sigle, oui. Ou quand même sans sigle. Maintenant, soit pas de parti politique en Haïti, je ne sais pas si 5. Donc, là, on parle de parti politique qui est structuré, ou pas aucune chance. Ou pas d'accord ou voulez utiliser moun kan kou makon kabrit et que jodi a utilisé ou mettons au code nanel et qu'on connaît que m'pa konn sou konn web fait moun pa konn central ouye là ou mette comment le bon nom oublié non yo mette fait non gros l'autre non kakon yo bon non ou makel ou marel nanel ou ralel ou menel koto ou vle donc comme ça yo maîtriser bœuf chari yo mette bœuf chari yo mette ouais donc c'est kakon ça yo gon moun yo mette yo élu yo balé l'argent. Mais il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas fait le cas de l'argent. Il y a beaucoup de boules dans l'élection. Et puis, il y a des gens qui ont géré l'État. Douane, port, c'est dans même pour eux. Si douane dans même, port dans même, et directeur, c'est moi qui mette. Donc, il n'y a pas de sincérité dans la lutte contre la contrebande capmandéa, non? Pour qui ça a été sincérité? Contrebande, c'est ou même moi-même, si tu as entré là-dedans. La, c'est pour nous, pour pas, c'est nous-mêmes qui avons gagné pour nous serrer le boulot. Mais les grands contrebandiers, les grands commerçants. Est-ce que c'est le chef qui a fait contrebande? C'est mon fonds, c'est mon fonds. Mais en tout cas, moi-même, je connais un grand pile conteneur qui a passé sous frontière Belader là, qui vient de Port-au-Prince. Moi-même, je suis un grand dossier, bon, qu'il soit dit en passant. Je songe que je suis bail dossier, moi-même, je suis un dossier à un Jean. Je me dis que je me fais joindre. Moi, bail et sénateur, des bail sénateur privé en copie. Moi, parler avec sénateur et Dera. Et puis, me dit que il t'apprend inviter ministre finance dans le parlement. Me dit si nous inviter ministre finance là, poser dossier ça des produits qui a passé Belader, qui a rentré de grands conteneurs par 60 conteneurs par mois et qui pas payé douane.
qui passait, yo produit, yo poté, a produit, on pas besoin de taxer. Alors que qui sac en dedans, on a contenu à tout le monde connaît qui sac là-dedans. Si l'ensemble est doux, pas répondre. Pas répondre parce que je n'ai pas de machine blindée dans la rue et je n'ai pas de sécurité. On nous retourne et on vous vive longtemps. Et on retourne sous Jovenel Moïse. Je dis, est-ce qu'on croit que quelqu'un l'a menacé? Je pense que quelqu'un a Jovenel Moïse là. Gon moun ki te di m te pale trop vite nan émission que m te gagné nan Radio Métropole, nan Le Point Métropole, nan tout de suite après la mort chanteur ah oui ancien magistrat oui Emmanuel Chalmay m te di ça le ça gen moun ki te di m que mal malé trop vite en besoin mais même te di que gen des mesures si Jovenel Moïse pas fait s'il fait 2 ans sous pouvoir CAP m te di ça. Mais m'était dit que c'est pas parce que me souhaitait lui parce que il y a des monde qui cap dit ah ou t'es dans élection ou perdu ou pas voulez ouais président mais non mais jamais moi son haïtienne conséquente en femme d'état en tant que ancienne sénatrice présidente de mon parti social-démocrate que fusion représente. Pourquoi dans respect mandat électif ça moi crois dans respect mandat exécutif là moi crois tout dans la bonne gouvernance. OK ou quoi dans mandat électif ou quoi dans bonne gouvernance ça veut dire son gage. Il ne va pas marcher sans l'autre. Il ne va pas marcher sans l'autre. Et si pas l'autre l'autre, c'est le cas qui questionne le mandat. Ah mais c'est sûr. Si pas une bonne gouvernance, si il y a amateurisme aigu, si il y a amateurisme aigu, si il y a mauvaise gouvernance, si il y a parler mettre là et puis l'on parler sans dire monde pas quoi. Parce que depuis comment c'est ouais pas, pour moi même, yo dit le roi doit être au-dessus de tout soupçon. Le roi parler faut ou tout sujet yo connaît. Ce n'est pas le cas, non, là, je ne parle pas de la démocratie, je ne parle pas de la mienne, mais c'est un exemple, un modèle. Mm. Donc, moi, non, le politique, tout le monde. Il y a une obligation de dire la vérité. Il y a une obligation de dire la vérité, mais il y a une obligation tout. Comment, monsieur Aristote, même si c'est, ça fait longtemps, c'est 1888, ça fait longtemps, mais il dit tout que inconcevable que la cité, là, quand on parle de la cité, le pays, inconcevable que la cité, que le citoyen, comprennent que toute entreprise que l'a fait, c'est pour le bien-être personnel uniquement. C'est inconcevable. Sinon, c'est l'incivique. Ou pas un citoyen. Ou pas un citoyen, ou pas un monde. Là, les plus loin, ils disent qu'ils sont bêtes. Donc, ou pas capable à gérer l'État et uniquement satisfaire besoin. Pour faire l'argent. Pour faire quoi? C'est pas possible. Pour parole, président Jovenel Moïse, perdu poids, perdu crédibilité. Ah, parole, président Jovenel, perdu crédibilité par rapport au fait que, ça fait que moi, t'ai dit, faut s'il y a un bon conseiller, faut t'a aider parce que le président sorti et en France. Déclaration que elle t'a fait sous Petrocaribea, il dit qu'on sent que c'est persécution politique. On comprend. Et puis maintenant président font coupe 10 000 à l'heure et puis même président pral dit de dans BRH que majorité contrat passé. Dans 10 ans passés. Donc, l'on président a dit que pour moi-même, moi-même, mais par rapport à une démarche d'obtention de rapport, la torture à un juge, qu'il dit que le système n'a pas bloqué, c'était son c'est mot. C'est ça. Ça, c'est en France. Oui, en France. Ça avait et ça a tiqué à plusieurs. Maintenant, je n'ai pas de problème que le fait coupe 90 degrés, non, me féliciter, président, mais je dis bravo. Est-ce que parce que l'on leader fait un erreur, il est capable, au fait pour estime pour lui. Ok, le rattraper lui. Oui. Okay. Mais je me dis, bravo, président Jovenel, me font lettre ouverte, m'écrit. Je me dis, bravo, mais je me dis, suspend, il faut passer de la parole aux actes. Après 17 là, Analysio dit qu'il n'a plus le choix, il doit agir, et il a procédé à la mise à pied de chef cabinet, M. Lalo, M. Yves-Germain Joseph, qui était ministre de planification, M. Lalo était ministre de finance, respectivement, chef cabinet et secrétaire général du Palais national. Il dit que tout le monde qui est indexé, non tweet, il doit mettre à la disposition de la justice. Entre-temps, ça a suscité plusieurs réactions. Comment même vous analysez ça? Nous-mêmes, dans la fusion, même font tweet tout, font déclaration sur Facebook pour me dire que je félicite le président qui commençait l'ouvrir les oreilles. Et ça m'a dit là, même m'a dit le dommage. C'est dommage, moi-même en tant que président d'un parti social-démocrate, encore m'a répété, c'est dommage que solution yo depuis 30 ans, plus que 30 ans du Valais aller, c'est dommage que c'est la rue que le président entendait. Tout le président, nous, tout. Il entendait deux voix. Il entendait international là, et il entendait la rue. Ou même comme parti politique. Regardez, Robinson, ou Nouvelle-Liste publiée pour moi, oui, deux articles.
qui côté l'argent Petrocaribe a passé. Nous te dit en français où est passé l'argent de la dette. Nous venons de publier pour moi. Nous avons un autre article encore, c'est appel à la mobilisation générale. Nous avons une lettre ouverte que nous avons fait, une lettre ouverte au président de la République. Donc, nous avons 5 notes que nous faisons sortir pour nous dire, président, prends le dossier en main. Donc, ceci pour dire que la rue a parlé 17 octobre, président, attendez. Est-ce qu'on condescend dans la part du journal Loïc qui dit bon, je vais politique, je vais arrêter là, je vais aller tout le monde, mais le président. Bon, moi, je pense que ça l'a dans tout. Ça l'a dans tout, et puis ça vient faire que il pas mesuré en jeu yo, en jeu côté que moun sa yo qui te bal pouvoir capable taper mel tout le temps et mettre profit gamba pied et puis il pas prendre l'enquête côté et puis il a perdu quinquennat. La perte du quinquennat, bon moi dit la perte du quinquennat et bon, il ca toujours fait quinquennat. Il ca fait 5 ans mais il perdu le pareil parce que ca fin fait 5 ans et pour rentrer dans l'histoire comme un petit président rase par la petite ou entrer par la petite porte. Donc c'est comme si tu es perdu. Est-ce qu'on comprend? Donc, ce n'est pas une question de faire 5 ans. C'est une question de faire 5 ans sans régler avec 5 ans. Est-ce qu'on améliore les conditions de vie? Est-ce que soit pour maintenant ou tu promets pour le marier celle, ciel, là, comment? Soleil, à de l'eau avec terre pour faire miracle? Est-ce qu'on arrive à faire? Donc, si on n'arrive pas arrivé à faire mariage, ça, ou si j'aime une émission, peut-être avant, non? J'aime une émission avec Geoffrey. Je te dis que. Il y a un autre sens, un cinquième sens, un auteur, un film qui parlait de cinquième sens. Ou quand il y a ciel, la terre, de l'eau, le bon sens politique pour permettre que ou tant de monde, pas seulement la rue, ou tant de monde. Et c'est ça que le président Jovenel a fait. La rue a obligé fort en dire, c'est qu'il y a une colère qui déjà a bouilli. Ou tant de positions, Evans Paul, qui était une monde, qui était une pigou supporteur de pouvoir ça, et allié pouvoir là clairement, qui d'abord a dit qu'il y a de l'improvisation au sommet de l'État, des mondes rivés ministres la semaine d'avant qui ne savaient pas qu'ils allaient occuper des fonctions aussi importantes. Et puis de l'autre côté, là, elle dit que là, par rapport à sa cap fait de voyer invitation à la mort et Patrice et Milford et ancien Premier ministre Michel Duvier-Pierre, lui, il dit là, nous rentrons dans pratiquement dans. On connaît la politique là, parfois, Gemba qui est machiavélique. Je me dis publiquement, qu'est-ce qu'il dit, c'est pour entendre que gagne entre Jovenel et Evans Paul pour gagner un comportement ça. Pas qu'on est. Ah, c'est oui, ça. Je le dis, c'est très machiavélique ce que je dis. Okay. Il y a une entente entre eux deux pour un comportement comme ça, et puis il est fini, mais il y a bon dans même. Dans la même, finalité dans serait quoi alors? Bon, la finalité serait quoi? Bon, et que, quand le moment passe, les grands moments, les prêts font volte-face pour dire que la patrie est en danger et que je ne peux pas quitter, nous rentrer dans l'instabilité, ça, je fais l'ultime sacrifice pour que nous aider le président et puis il y ait ça. Ça, c'est dans l'ordre des choses. Tout est possible. C'est un. Qui a proposé la création d'une commission avec mon secteur privé, pardon, de la société civile, la presse, l'a mis à NMAG, non merci, parce qu'il a pris en fonction, et on apprend qu'il n'avait pas consulté les intéressés avant de faire l'annonce. Et ça passe par rapport à la performance du Premier ministre jusque-là, dans un gros dossier, je trouve ça que c'est plutôt carré. Bon, Premier ministre, là, t'es candidat à la présidence. L'État, c'est un monde qui a fait politique, vous comprenez? L'État, censé ça, et ça me pensait. Et que je pense que l'État doit gagner un background nécessaire, politiquement parlant, pour analyser le dossier politique, peser ou sous-peser, et pas en vont prendre une décision pour que ce n'est pas émotion dictée. Parce que la politique ne peut pas se faire à la petite semaine. Il faut, dans une vision sur le moyen et le long terme, prendre une décision et qu'on est capoté en bagage en retour et qu'on fait ou même nous pas passer l'aide. Okay. Écoute, ou capable, ou gagne une commission qui était présidée par Yuri Latorti. Ou vient une deuxième commission qui est présidée par le sénateur Evalier Bouplan. C'est vrai que grand pile monde qui critiquait le rapport, yo, dit que le rapport ça, il est biaisé parce que le rapport n'a pas arrivé sous privé et que grand pile bagaille drôle qui passait dans l'agent, dans BMPAD, dans l'agent Petrocaribéa qui était passé tout sous gouvernement privé, il a retiré là-dedans, il y a des noms qui ont retiré par rapport au fait que tu as un contrat, un gros contrat qui sont marché Matissan. 18 millions de dollars sous lit, marché Matissan, marché Poisson. Oui, Fotamara. Vous comprenez, Fotamara, il y a une route et cafet et dans Montagne Noire, il y a un dossier que vous retirez avec deuxième commission. Il y a des gens qui disent que le rapport n'est pas bon. Moi, je dis, même s'il n'est pas bon, c'est une œuvre humaine, elle ne saurait être parfaite. Utilisez-le dans la faiblesse, en renforcez-le, puisque la justice est pour faire le job. Maintenant, est-ce qu'on a mal perdu du temps pour une commission vérité qui pour avoir tout type d'experts là-dedans pour faire vérité sur qui ça?
Maintenant, moi-même, je dis, il faut le pétro-jugement. Nous devons aller vers le pétro-jugement. Je n'ai pas de problème, je n'ai pas de commission. Le gouvernement a dit, comme le gouvernement a tellement de priorités dans l'État, nous avons parlé de la journée d'analyse dans le propos introductif, il y a tellement de déficits que nous avons pour nous rattraper, que le gouvernement a dit. Maintenant, que moi, je crois que nous avons mis une commission en place, mais pas une commission de vérité, une commission qui pour faire tout, accompagner le gouvernement, dans faire toute démarche pour renforcer toute structure et initier pétro-jugement. Ceux d'en face qui réclament le départ de Jovenel, de l'équipe au pouvoir, il y a des gens, pour me citer propre et regard, des gens qui étaient dans le mouvement Slavalas, des gens qui étaient candidats, et d'autres aussi, qui étaient sénateurs, pour ne pas nommer Moïse Jean-Charles. Il y a un regard sur eux qui dit que mais, ces gens nous proposent de faire du neuf avec du vieux. Ils sont aussi des produits du système et... En ce qui concerne d'autres figures de cette opposition, on dit qu'il y a traîné des casseroles. Et il y a des gens qui disent, mis à part retirer quoi, ou rachement que vous allez à, on ne propose pas d'alternative. Donc, il y aurait deux problèmes sur la table, l'absence d'alternative et l'absence de crédibilité dont parti dans mon cap mandé et pour Jovenel l'aller. Maintenant, plutôt Caribe Challenger, on va mettre dans l'eau ça. Soit pensez par rapport à l'analyse ça, de décantation nécessaire ça. Décantation nécessaire, est-ce que le possible? Par contre, c'est possible. Moi-même, je dis au monde, ou est-ce que chaque chose me dit au monde, moi-même, je gourmet pour me gagner la loi à bouche. Moi. C'est pour ça que fait que les barrages, je dis, et moi, l'homme dit, pour le monde démentir, c'est menti, si je viens de dire, mais le monde, c'est menti, ma femme. Dans le Sénat, je fais 6 ans. Je compte tout le monde. Je compte tout le monde. Moi-même, je songe, je gonle. Je t'ai parlé de 4 cyclones, je t'ai parlé de 2009. Je songe, je gonle, je gourmet entre 3 sénateurs. Bon sénateur, laissez-moi dire, mais mando huit clans, ce n'est pas possible. La presse était là. Ce bon sénateur qui a dit, ou pas culé, moi-même, est-ce que je suis comme moi-même? Mais ou même, ou 90 millions en mort, ou même, ou 190 combien millions en mort? Mais, je t'étendais ça, oui, moi-même. Je t'étendais, et que, est-ce qu'on va rapport déjà? Le ça nous dit, mando huit clans pour nous faire mal, parce que c'est ton gros discussion. Hein? De qui sénateur parle? Vous voulez me dire de qui sénateur parler? S'il vous plaît. Okay. Sénateur qui t'a dit que toujours acculé tout le temps, sénateur Lambert. Dit, n'a pas acculé tout le temps, mais nous, est-ce que nous avons un rapport? Il t'a parlé à John Joel avec Moïse Jean-Charles. Est-ce que nous avons un rapport comme qui nous emmène nous? Ou même, moi, et John Joel, où tu as l'argent, mais on pourra le faire et cash for work. Non. Pas en sénateur, non. Cité Soleil? Non, pas Cité Soleil. Fort National. Mais est-ce qu'on a un rapport sous lui? Maintenant, il dit, et ou même avec Moïse, est-ce que nous avons un président là pour bon l'argent dans nos mains? Donc, moi-même, je dis que malheureusement, nous avons une population qui, peuple haïtien, a un petit genre sentimental, émotionnel. Il dit que il peut voter et que monsieur parlait bien, il a un discours populiste qui semble avec moi. Les gens qui rapprochent de moi, le discours par l'Assemblée avec moi, c'est lui qui m'a voté. Mais maintenant, pour des gangrenés, nettoyer ça en dedans. Under système, under politique là, sans pile travail pour ta faire. Puisque moun sa ou gen droit de citer, yon parle fort, et puis yon fait moun marcher derrière yon, et yon gen l'argent en main yon. Et c'est yon même qui capable et, qu'on dit moun yon, à mobiliser under base. Maintenant, koun yon là, c'est manque de crédibilité qui baille, peut-être Jovenel Moïse, force pour le dire ça, le dit en France là. Parce que lui dit, gen des moun kap main dossier ya, et que même, je ne vais pas occuper de ça parce que moi-même, j'ai un dossier de ça autour. Il dit que les gens qui ont fait ça, c'est bluffé. Il n'y a pas de problème. Mais au moins, je suis d'accord avec moi. Il n'y a personne qui a dit que il n'y a pas avec Géo que Epot au cas il n'a pas fait. Il n'y a personne qui a dit qu'il n'y a pas avec Géo que Epot il a acheté pas fait. Il n'y a personne qui a dit qu'il n'y a pas avec Géo que Tiba et Tipon qui sont dans le Carrefour d'Aéroport, il n'y a pas 18 millions de dollars américains. Mais comme on dit, il y a presque 18 millions, je ne sais pas s'il arrive 18, mais presque 18 là. Tout le monde a dit mieux avec Géo qu'il y a eu du vol. Il y a eu l'argent qu'il a, mais il y a eu qui vole elle. Maintenant, je dis, il y a le pan de Préval, il y a le pan de Mantelli, il y a le pan de Privert. Il faut que nous sachions. Écoute, pour moi-même, Jean-Max Bellerive, je crois que c'est le premier monde qui. Il est le premier à avoir compris. Il a dit que moi, je veux être jugé. Je voulais juger, je voulais un jugement qui fait parce que si un homme condamné, je suis condamné. Si je connais, c'est pour la justice laver.
Parce que sinon, je ne peux pas vivre devant la famille, ma petite moi, tout le monde a dit que son volet, je ne peux pas sentir qu'à vivre. C'est ce qu'il a dit publiquement. Donc pour moi, c'est, il est le seul à avoir dit ça. De faire ça. Tout le monde t'a dit ça. Tout le monde t'a dit que tout premier ministre qui passait, tout ministre qui concernait, t'a dit moins disponible pour la justice. Allez, il y a des descendants en bas. Ok, aujourd'hui que mon Lavalas, mon petite Dessaline, entre autres, dit qu'il voulait qu'on côte quoi Beto Caribéaïe et il a tout demandé tout pour jeter Jovenel Moïse pour penser ça, ce n'est pas la solution pour lutter efficacement contre la corruption. Mais ça m'a dit. C'est pas, pour moi-même, ce n'est pas parce que je change un gouvernement, je remplace un gouvernement qui a fait que moi, goumé contre la corruption. Je mets un deuxième gouvernement encore, je mets même monde qui te volait, qui est au Caribe, et même encore qui voulait venir gérer, venir ministre, venir premier ministre, venir président. C'est ça, de ça qui est la question. Moun qui a mangé, qui est au Caribe, moun qui volait, qui est au Caribe, il y a même encore, yo. Écoute, le pétro, ce qui se fait dans la rue, on est honnête avec tête, on parle. Moi-même, comme politique, je dis, il y a un pouvoir qui se construit là. Il y a un pouvoir qui se construit pour que les mêmes voleurs deviennent président. Et qu'il y a construit un pouvoir parce qu'il y a investi tout dehors. Hein? Moi, je suis pour qui, que... Il est plutôt challenger, mais tu as la même loi? Je ne sais pas du tout, je ne sais pas qui ils sont. Okay. Mais ça, des jeunes universitaires, cinéastes, des gens qui parlent de politique. Mais même ça, je suis content pour eux-mêmes. Je remets que ils mènent une bataille là, Jouk Maïmi. Je ne les connais pas du tout. Seul. Mon dernier mais on met écoute, en tant que politique, m'a toujours joué Wolpam. M'a toujours joué Wolpam pour que moi dénoncer. M'a toujours joué Wolpam pour me dire que m'a pas avant-gardiste, m'a proposé. Okay. Donc maintenant, pour nous cabriver dans est-ce que le départ de Jovenel Moïse dans dernier notre moyen nous dit. Nous dit que écoute, moi même comme parti politique, tout faut m'entendre la rue. M'entendre la rue qui dit que yo veulent jugement. Gagne deux bagarre, gagne un groupe monde secteur Lavalas et consorts qui a demandé des démissions Jovenel, il y a un autre groupe qui dit nous voulons saisir bien, nous voulons l'argent retourner dans la caisse l'État, nous voulons jugement. Mais M. Michel, qui a une position ça à la fois saisir bien, et tomber et jugement. Oui, mais en pile, il dit il faut que Jovenel aille. Oui. Mais il y a un groupe qui a demandé bon jugement. Nous-mêmes, jusqu'à présent, dans la fusion, nous inscrivons dans la logique ça. Jugement, arrêter les gens qui volaient, rapatrier l'argent. Et saisis bien s'il le faut. Sénateur, vous êtes député. C'est mon fin après ça, ma fin avant. Moi-même, je crois que ça, et nous dit, lui nous dit, si président Jovenel Moïse, tant 17 octobre, nous pas ouais que le processus là initié, ou quand même dans la manifestation, tout le monde dans la manifestation. Vous êtes député, vous êtes sénateur, vous critiquez un système corrompu et pourri. Est-ce que vous-même, en ton âme et conscience, vous considérez un monde qui intègre? Ah oui, en mon âme et conscience. En mon âme et conscience, je considère comme un intègre. Et je dis, je me demande pour un premier ministre, dit, elle dit un jour que je vais voter et que je mette des conditions pour me voter. Je me demande un jour que je gagne un comportement, je gagne politiquement, pour me fermer bouche, il faut couper. Aucune faute politique? Non. Bon, oui, je gagne. Non. Écoute, si je suis en ligne de politique, je vais faire. C'est sûr. Moi-même, j'ai dit à la mode, je le lui ai dit le 12 décembre 2012. J'ai oublié M. Makil. Je dis que je voulais well et pour me dire que je regrette infiniment que je me voté. Parce que je suis un jeune garçon et je dis que je suis millionnaire déjà. Mais maintenant, peut-être pas, je me dis que un jeune garçon qui est millionnaire déjà, vraiment, qui te connaît pour de couleur Haïti souterrain, je me dis que, monsieur que, et Laurent Lamothe, je le lui ai dit en face à Mabdoula. Je dis publiquement, même de dire en face. Je te dis que Laurent Lamothe, moi-même, je voulais faire confiance. Parce que je pensais que il peut faire la différence. Il gagne l'argent déjà, il va gagner qu'il en a besoin encore. Il prend le travail pour payer. C'est ça, je te crois. Et là, je viens de tendre des questions lampadaires. Et je fais recherche, je regarde dans la région, je vois lampadaire, il y a des côtés 800 $, des côtés 1200 $, dépendamment de hauteur pour toi, jusqu'à 1500. Et puis, je contrat dans 8000 $ américains. Je dis ça, c'est du vol. Je lui ai dit ça en face, il m'a regardé, il a baissé les yeux, il m'a jamais dit rien. Et puis, j'ai été chez lui pour le lui dire. Et puis, il dit comme ça que je te reviens, il dit, bon, un petit moment, je te reviens. Et puis, mets-toi, allez, je ne vais pas traiter. On ne va pas traiter. Parce que j'ai besoin de dire ça publiquement, j'ai besoin de dire ça face à face de préférence pour le dire. Parce que si je vote, si je parle avec elle, rencontre elle, il faut me dire ça pour que je ne dise pas que moi, elle dit ça dehors. C'est comme ça, en politique, je pense que toute politique n'est pas Kouba. Dernière question, indépendamment de la politique, de jeu de force, de tractation pour la prise du pouvoir,
il y a cette réalité de l'économie haïtienne qui nous rattrape. C'est une bombe qui fait tic-tac. Il y a la bombe pétrolière avec appréciation prix produits pétroliers sur le marché international. Il y a la dépréciation accélérée de notre gourde. Il y a le grand goût, mais vraiment, on ne va pas parler de l'humain. Son bagage est enragé pour le monde qui a des revenus qui sont en deçà de dollars américains. Il y a une vraie crise économique, une vraie crise sociale qui cague une forme d'expression politique violente. Par rapport à menace, indépendamment de Jovenel, de YZ qui est sous pouvoir. L'insécurité aussi, aussi, particulièrement pour des quartiers de, à l'entrée sud de Port-au-Prince et d'autres. Lorsqu'on bombe ça fait tic-tac, comment est-ce qu'on la désamorce? C'est ma dernière question. Ok. Moi-même, je pense que pour nous désamorcer bombe ça, il faut un président qui a une dimension chef d'État, qui prend responsabilité pour que les fonds dépassement avec honnêteté, il dit. M'a fait une rencontre avec des leaders politiques, tous leaders politiques confondus, des leaders connus politiquement, que ce soit dans l'opposition radicale, dans l'opposition démocratique comme la Fusion, l'OPL, Contra-Peuple, UNIR, RDNP. Moi, je dis parti ça, c'est l'opposition objective que oui. Mais il y a une opposition radicale qui dit Rachid Mayorga immédiatement. Mais nous-mêmes, nous disons, président, nous ne disons pas pour Rachid Mayorga. Mais nous dit on met de voix au propre, si on pas mettre de voix au propre, c'est pas moi même, on pas besoin même de Rachel Maroko, c'est on va l'obliger Rachel sans que me pas même besoin mando li parce que là où il y a tellement béton, il y a tellement chaud que là pas obligé mando Rachel Maroko. Moi même moi crois que pour nous désamorcer bombe ça. Faut en urgence gain mesure qui prend pas bagaille commission de vérité monsieur Séan. Faut gagner un appel qui doit fait pour président dit que pour de bon. Moi-même, je bail tout ça, la justice besoin pour initier, pour initier pour ça. Moi, je des Nations Unies, je n'ai pas de appui technique nécessaire et que l'aide ça rende public pour nous. Vous voyez l'aide là, aller bail Nations Unies pour dire Nations Unies, nous besoin d'appui technique, li, Jean Honduras Tefel, Jean Guatemala Tefel, pour que nous démarrer enquête, pour le système judiciaire là, démarrer enquête pâle. En utilisant les rapports, les deux, bon, m'a dit, il n'y a pas besoin de dire les, puisque c'est le rapport Yuri, rapport évalué au plan Marie ensemble, pour utiliser le rapport Sénat, pour permettre que nous avancions sur le dossier. Troisième mesure qui peut apprendre, pour nous désamorcer, bon, là, c'est à, tu vois, depuis comment c'est pas une confiance dans l'État, c'est manque de confiance tout. Parce que, vous parlez de challenger, des universitaires, des jeunes universitaires qui, pour moi, font rêver citoyens et me disent oh, bravo, je suis content pour eux. Mais moi-même, je me dis que, même tout, je dis que je n'ai pas de monde parler dans le nom. Effectivement, dans les gens qui sont là, un peu mosaïque, c'est difficile parce qu'on a, il y a du déjà vu aussi dans ça. Et on a vu des jeunes, on a vu comment certains pouvoirs ont pu utiliser des jeunes qui t'ont revendiqué et qui t'ont montré que bon réveil qu'a fait de ce côté-là. On a déjà vu ça. Et moi, en pile, notre cap dit que bah, personne ne doit parler dans le nom. C'est pour ça que, moi, je crois que je suis capable de rentrer dans une dynamique comme ça. Mais parti politique qui est disponible pour faire. Mais si le président Jovenel Moïse mettait Fonti Campé sur l'État général à Kounia, on nous fait un dialogue politique en urgence, on nous prend décision sur les priorités de l'heure et nous mettait d'abord priorité de l'heure, là, c'est la bonne gouvernance, le dossier Petro-Caribe, c'est le cap numéro un, et ensuite les problèmes politiques. Parce qu'il y a un autre problème d'autres politiques qu'on ne peut pas aborder, ou il y a un problème constitution pour nous changer, ou il y a un problème CEPA pour nous changer. Ou bien élection qui doit être faite pour deux tiers Sénat. Donc, ou bien des mesures politiques, des actions politiques qui peuvent faire pour répondre à exigences constitutionnelles. Est-ce qui ça nous prend le fait? Est-ce que nous mettons d'accord son constituante que nous avons gagné? Est-ce que nous mettons d'accord que nous pourquoi pas faire constituante quand on a fait élection quand même, on a fait ça après? Donc, il faut qu'on dialogue politique que Jovenel Moïse doit faire pour apaiser la situation. Maintenant, grand goût à parler. Moi-même, je connais loin. Moi, moi ouais grand goût dans section communale yo mais ouais misé moun m'pa konnen si ça arrivé ou si moun yo gen accès à ou même WhatsApp SMS moun ki di yo mouri moun ki di yo pi tu étais yo moun ka di m kon que yo Chili mais tant pou vin en Haïti yo pa ka vivre Chili yo plutôt boire poison moi même gen pression moi même moi c'est un moun ki toujours gen tension 12 par 8 de tout temps et konya mes tension commencé à monter parce que ça fait que je dis, plutôt je ne regarde pas, plutôt je ne parle pas Messenger, plutôt je ne parle pas WhatsApp. Tellement pression de monde qui est dans la rue, pression de monde qui est Chili, pression de monde qui est dans la section communale, nous, Kabdou, il y a un grand goût, il n'y a pas de grand goût. Donc maintenant, si le président comprend que
Non, mais Gregoud, bon, je vais mettre ça, que je vais un jour faire une émission sous lit et que 100.9 et ou même chercher mon expert pour faire un besoin d'île dans l'émission. Ou imaginons que nous gagnons ça, nous avons l'économie bleue. Il faut que nous inventions de nouvelles filières. Inventer de nouvelles filières pour nous faire l'argent rentrer dans le pays. Mais on parle de lutte contre la bonne gouvernance, comme si c'est vrai, son élément de la bonne gouvernance, son caractère comme banque d'État. Mais on n'est pas capable de dire que l'économie dépend uniquement de port, aéroport. Ou d'accord avec moi? Économie extravertie, nous pratiquement. Nous parlons de vivre fini, mais il faut me dire ça. Il faut me dire ça que, imaginons, ça, nous avons fait une enquête sur Lyon pour présenter. Imaginons que, je vous dis, nous avons menace sur l'aéroport en Haïti. Système et aviation civile, non? Et que nous arrivons là et que nous demandons c'est pour aller prendre l'avion Saint-Domingue. Parce que nous, même gens, où est-ce qu'on a un GPS dans tout côté pour marcher là? Là, à l'étranger, on a un GPS, même en Haïti, on a un GPS. On a route, avec voiture, capable de mettre un GPS sur le téléphone pour le guider. Maintenant, la majorité pays, ou bien tout pays dans la région, a un GPS aérien. Maintenant, en Haïti, c'est comme si le pays n'a pas géré dit tout, non? Non, rien! En Haïti, même radar, nous n'avons pas non? Qui dirait que nous avons un GPS? Ça m'a dit là grave, je connais que je dis un gros cause là. Je profite de dire dans l'émission, non? Parce que je pense que les journalistes ne peuvent pas parler de lui. Et grand pile bah qui arrive pays là nous pas parler de yo et moi crois que c'est important en 2022 nous pas grand pile temps nous pas le causer 2022 peut-être c'est une émission d'une heure de temps non son dieu de temps pour nous taguer oui en tout cas nous dégager une bonne carrière est-ce que ça me dit pour avoir c'est bon non est-ce que vous pensez que si nous t'arriver faire ça d'après vous même comme journaliste si Jovenel Moïse est grand étoffe s'il car mettait étoffe chef d'état sous lui si tu arrives à faire ça. Sénateur, tu as fait parler. Oui, je t'arrive à parler. Je t'arrive même pour dire ça. Si, dernière parole, je dit. Si le président Jovenel Moïse a fait un effort pour mettre top chef d'État sous lui, okay. Et que pour lui dire que, écoute, dans ce moment-là, je t'arrive à finir quelqu'un maintenant et finir comme bon président. En tout cas, toutes les années, je regarde ça pour ça. Je n'ai pas constaté. Dans la proposition, j'ai vu des choses structurelles, même pas conjoncturelles, pour changer le système. Vous pensez que c'est nécessaire de changer ce système? Oh! Bon. Problème qu'il a. On va dire qu'on commence l'émission avant. Le problème qu'il a, c'est que je suis sorti dans le gouvernement Préval là pour montrer. Oui. C'est pas, même si vous mettez au président en 2022, la bon, même réaction. Il faut changer le système, nos lois, nos hommes. Il faut tout changer. La constitution d'abord, et maintenant, il faut cette révolution dans la mentalité de nos concitoyens, concitoyennes. Merci en pile. Donc, pile cause n'est pas dit, oui. En pile cause est dit, surtout. Nous retenons ça que dit, en attendant que nous ayons possibilité de rencontrer dans l'autre occasion dans DRK, sénatrice Edmond Supplice-Bosil. Kembela, Palagé.